Je voulais répondre, messieurs, dames, hommes d'affaires qui secteur privé, qui composait diverses chambres haïtiennes, haïtiano-canadiennes, haïtiano-américaines, haïtiano-France, qui fait sortir une note pour solliciter, pour féliciter, pour applaudir résolution Conseil de sécurité pour soldats kenyans de déployer en Haïti. Nous-mêmes, ça nous dit, moun kap aplodi pour force multinationale yovinien, c'est eux qui a la base problème que nous avons là, je veux dire. C'est que l'opre, dernier sanction que se prend en pays contre conseil de hommes d'affaires, ce n'est pas moun cité soleil, moun la saline, yon jouen kap financer gang en meyo. L'opre, on est avec Karl Brown, une banque, côté le Canada sanctionné, motif sanction, on va regarder motif sanction yo. Nature sanction. Pour qui ça yon sanctionné? Raison sanction yon. Un, c'est parce que la financer gang armé, la financer la violence en Haïti, la financer la contribuer yon jouer des gangs. Ça veut dire, au lieu yon investi pour gen université en Haïti, au lieu yon investi pour gen, et comme sou ta dit, une banque ou gon université, une banque patronne, et comme si ou ta dit, ou gon université, gon une school. Même j'ai une banque, une school, une bagaille, une vie sociale qui est bâtie. Non, vous jouez, vous sanctionnez parce que c'est vous qui financez les gangs armés. Là, vous finissez pour y payer avec les gangs armés. Vous faites tout ça au capable pour ne pas financer l'État pour permettre de gagner l'armée. Vous combattez pour gagner l'armée, vous combattez la police, vous récupérez la police là. Dans la formation y a fait pour la police, y a déjà récupéré la police, ou la police, pour yon, pas une police nationale. Nous pas une police nationale. Y a bal notre police nationale, cependant, nous pas la police nationale qui l'a pour servir, protéger. Deuxièmement, y a affaibli la police là, pour empêcher la police à mener des actions concrètes contre gang armé. Mais, je dis à quand y'a parlé d'occupation, y'a qu'on mette note dehors. Yo salué. Alors que tout nèg sa yo, majorité dans les affaires en Haïti, courive sous plaquette la caillou, marqué concile honoraire. Sous ce concile honoraire, ou pas de qualité ni droit pour interférer dans la vie politique pays où y a. Respecter ensemble de obligations qu'on gagne comme étranger dans le pays. Ce n'est pas le cas. Yo prend pays, a, yo fait pays à tout nos côtés, yo fait pays à tout nos savants, on côté pour yo fait toute expérience que vous pas même qu'à faire la caillou. C'est pour ça matin, nous faisons conférence, un, pour nous dénoncer moun sa yo, qui prend l'économie pays en otage. Je dis à nous besoin de monde qui vient travailler pour nous nationaliser ça l'économie pays. Parce que si moun sa yo yo te gen appartenance, yo te gen de bay ki te lié au pays, certainement c'est pas comme ça nous t'a bien.